Qu'est-ce que... Oh, oh, on se calme. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous me le dire? Vous étiez en train de me suivre et d'un coup, plus personne. Et une minute plus tard, vous sortez de nulle part, comme si vous étiez au beau milieu d'un combat. Je l'étais. Il n'y a rien ici. Je n'aurais jamais dû vous laisser entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Une technologie de furtivité? Pour qui travaillez-vous? Si j'avais une technologie de furtivité, je ne serais pas en train de vous parler ici. Écoutez, je n'y comprends rien. Allons voir la directrice. Elle y verra peut-être plus clair. Je sens que je vais faire des allers-retours entre... Mais venez, quel est le vrai endroit? Quel est le mauvais endroit? Ce qui me fait penser que ici c'est pas le bon endroit, c'est le fait qu'il y ait une alerte. Et que donc ici ce serait... On a compris le principe. Merci mon Dieu. Enfin quelqu'un est venu. Le signal de détresse. Vous avez capté le signal de détresse, c'est ça? Oui, j'ai reçu votre signal de détresse. Ça fait si longtemps. Je n'ai plus de nourriture, plus d'eau. Mais j'ai tenu. J'ai... Attendez, comment vous avez fait pour entrer ici? Bah comme tout le monde, je me téléporte, écoute. Hein. Je crois que je viens d'un autre Nishina, un Nishina attack. Quoi? Mais de quoi parlez-vous? Non. Non, 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 ça n'a aucun sens. À moins que... L'accident. C'est peut-être un autre effet secondaire de l'accident. Si la sonde envoie encore de l'énergie dans la distorsion, alors... Sonde, distorsion, d'accord. C'est vrai. Nous étions en train d'étudier une distorsion gravitationnelle. Il y a 3 mois, je calibrais une expérience dans notre labo de recherche sur les énergies supérieures. Il y a eu un accident. Une explosion. Ça a entraîné une fuite de gaz qui a provoqué un incendie. J'étais coincé dans la salle de contrôle. Je n'ai rien pu faire. Et... Ils sont tous morts. Décrivez cette distorsion. Le labo a été construit autour d'un xénolithe. Avec un objet métallique dense. Nous devrions... Attendez. Oubliez ça. Très bien, nous arrivons. Hugues, terminé. J'étais en train de prévenir la directrice. Allons-y. Ah oui, bien sûr. S'il se passe quoi que ce soit, le bureau de la directrice est au premier, au bout du couloir. Vous ne pouvez pas le rater. Ces distorsions temporelles me font éternuer. Par contre, pour un mec qui est prudent, devrait pas me dire où est le bureau de la directrice comme ça. Il avance tranquillement et puis il m'attend. Tout à l'heure. J'étais plus avant? Ah, non. Entrez. Kaya Patel, directrice de la recherche. Et voici notre responsable scientifique, Maria Hugues.
Ethan dit que vous avez disparu juste devant lui? Deux fois? Trois fois? Directrice, vous ne prenez pas ça au sérieux. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites ici, mais il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Je traverse, je passe dans un univers parallèle. Je vous demande pardon. C'est une affirmation audacieuse. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dites-nous en plus sur cet autre univers. Il a brûlé, Raphaël, le seul survivant. Raphaël? Raphaël est mort dans l'accident. Quoi? Brûlé? La fuite. Directrice, il y a eu une fuite d'hydrogène juste après l'accident. Elle a été contrôlée en une minute ou deux. Mais si ça n'avait pas été le cas, elle aurait bel et bien pu causer une explosion. Mais un autre univers? C'est un gros morceau à avaler. C'est pas vous qui êtes en train de faire yo-yo entre les deux, hein? Vous avez dit que la fuite de gaz avait été maîtrisée, comment? Nous n'en sommes pas sûrs. Raphaël était dans le labo près des commandes de la ventilation. Il aurait pu l'arrêter. Peut-être qu'il l'a fait. Ou qu'il est mort en essayant de le faire. Raphaël est mort? Présumé mort. Le niveau des recherches est scellé depuis l'accident. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé exactement. S'il avait survécu, il aurait pu désactiver lui-même le verrouillage de la zone, mais... Dites-moi plus sur l'accident. Ce complexe ainsi que le niveau des recherches 2 km sous nos pieds ont été construits pour étudier une distorsion gravitationnelle. Il y a 3 mois, notre ingénieur principal, Raphaël, calibrait une sonde expérimentale quand... quelque chose a mal tourné. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a une série d'explosions et pourtant, elle fonctionne encore. Raphaël dit que la sonde envoie de l'énergie dans la distorsion. Ce serait logique. C'est pour ça que le champ de force ne cesse d'augmenter. La sonde a une unité de contrôle. Après l'accident, j'ai essayé d'éteindre le système avec. Mais le dispositif d'arrêt d'urgence ne répond plus. Nous pourrions l'arrêter manuellement, mais le niveau des recherches est scellé. Nous ne pouvons même pas y descendre. C'est quoi le niveau de recherche? Ce que vous voyez ici est uniquement nos quartiers d'habitation. La majorité de ce complexe est enterrée. Nous avons un accélérateur de particules et des laboratoires de recherche et développement avancés. Enfin, nous avions. Scellé, vous ne pouvez pas forcer votre propre système de sécurité? Pas d'ici. L'explosion a grillé les circuits du réseau. Sans accès physique au niveau des recherches, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous travaillons dans des labos de fortune depuis des mois. Bon, la distorsion, c'est un artefact. Un artefact? J'ai vu ce qu'ils peuvent faire et c'est pour cette raison que je suis là. Vraiment? C'est votre seule explication? Non, non, ça va. Vous avez eu une connexion antérieure avec eux. C'est peut-être pour ça que ça n'affecte que vous. Ok. Vous ne l'avez pas encore dit. Que croyez-vous que c'était? Nous n'en savions rien. C'est pour ça que nous étions en train de l'étudier. Nous sommes des scientifiques, après tout. Bah, nous devons trouver un moyen d'arrêter ça. Comment? Je vous ai dit que le niveau des recherches était scellé. On peut même pas utiliser ce foutu ascenseur. Ah, je pourrais peut-être dans l'autre univers. Quoi? Malin. Dans l'autre univers, Raphaël a survécu. Il est sorti du laboratoire. Donc ça veut dire que son ascenseur fonctionne. Prenez-le et vous arriverez peut-être à mettre un terme à l'expérience. C'est dingue. Mais avant toute chose, nous devons faire quelque chose pour vous traverser. Ah, toutes les suggestions sont bonnes à prendre. Maria, est-ce que les autres commandes fonctionnent encore? Est-ce qu'on pourrait ajuster le taux d'échantillonnage des particules? Ou le voltage du rayon? Vous plaisantez? On n'a aucune idée de ce qu'on fait. Ce truc est déjà en train de modifier l'espace-temps. Ça risque également d'empirer si nous ne faisons rien. Pour l'instant, je crois que c'est notre meilleure option. Très bien. On peut toujours essayer. Bien. Donc nous avons un plan. Ok. Venez avec moi. L'unité de contrôle est dans le labo de fabrication, juste à côté. Alors je reviens, je fais un petit aller-retour, je pense. Dans quoi on s'est embarqué? Aller-retour. Voilà.
Que je le soigne d'ailleurs. Ah, je peux juste faire demi-tour, désolé. Faudra que tu me retrouves plus loin. La directrice est morte aussi. C'est marrant que je lui ramène sa paire de ciseaux. Mais sur sa chaise, quoi, ça, l'explosion a dû être. Violente. C'est peu dire. Oui, mais par contre, mon lampe torche, il pouvait rester allumé. C'était pas prévu ça. C'est pas le plafond. Une grille. What? C'est juste pour troller? Bah ouais, parce que je vois rien de lisable. Visiblement, rien à en faire. Et touche. Oui, 50 et demi. Mais j'ai pas de level up, j'ai pas de level up. Combien de temps après? Oh, c'est vous! Que s'est-il passé? Vous avez disparu et le plafond s'est effondré et j'ai cru que j'avais fini par perdre la tête. J'ai rencontré la directrice, nous devons éteindre la sonde. Quoi? Comment? Écoutez, ce n'est pas facile ici, mais c'est encore pire là-dessous. Je m'en suis à peine sorti et c'était il y a des mois. Je n'y comprends rien. Si je n'avais pas vu votre disparition de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais... D'accord, d'accord. Vous êtes mon billet de sortie. On fait comme vous dites. On peut passer par la remise. Voilà la clé. Je vous couvre, c'est ça? Si tu veux. Tu peux rester ici aussi. Hein. Hop. Ah oui, j'ai pris une explosion dans la gueule, visiblement. Munitions, soins... Projecteur. Non, c'est un empoisonnement. On va tout rassembler ici pour... Et encore. Tu es obligé d'abandonner la zone parce que tu t'es fait... submerger... partout, du coup. Ah.
Qu'est-ce qu'il y a de vous? Et comment? Brèche de sécurité. Allez, allez! Hors de mon chemin! Heureusement que j'ai pas tiré, mais. Regardez ça, ça va prendre des heures à dégager, en espérant que le reste du bâtiment ne nous tombe pas dessus avant. Qu'est-ce qui va se passer? Non, qu'est-ce qui va se passer quand j'éteindrai la sonde? Je suis pas sûr. Peut-être que ça mettra fin à ce qui vous arrive. Ça me semble raisonnable comme théorie. Je suis surtout en train de me dire que si j'éteins et que je reste bloqué de ce côté. D'où viennent ces créatures? C'est une espèce locale. Nous avions un champ de pulsions électriques pour les éloigner. L'incendie a flingué les générateurs et endommagé les fondations. Elles arrivent sans relâche depuis. Vous pouvez me parler de l'accident? J'étais en train de travailler sur la calibration de la fréquence de la sonde au labo. Je sortais juste de la salle de contrôle quand c'est arrivé. J'ai entendu les réservoirs se fissurer. L'alarme. Je n'ai eu qu'une seconde pour réagir. Je me suis précipité à nouveau dans la salle de contrôle. Les portes se sont fermées. J'étais en sécurité. Loin du gaz, du feu... de tout. Mais j'étais coincé. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Si j'étais parti dans l'autre sens, j'aurais peut-être pu atteindre les commandes de la ventilation, éteindre le système. Quitte à en mourir. Je ne sais pas. Je ne veux pas y penser. Et bah ton autre toi fait l'autre choix. Comment le saurais-je? C'est vous qui disparaissez et réapparaissez sans prévenir. Je veux juste pouvoir partir d'ici. Aller faire ce que vous devez. Je vais nous dégager un passage jusqu'à la porte. Techniquement, je peux pas prévenir non plus, hein. Je m'y attends pas. Ah, mais eux... Qu'est-ce que... Oh, c'est vous. Vous réalisez que vous venez d'apparaître dans mon bureau fermé à clé ? Autant pour la sécurité. J'essaie d'aller au labo de fabrication. D'accord. Au bout du couloir, prenez les escaliers à côté de l'atrium. Attendez, laissez-moi vous ouvrir les portes. Et c'est terminé. Il vous fallait autre chose ? Y a-t-il des scorpions natifs de cette planète ? Ah oui, les cataxies. De sales bestioles. L'équipe d'inspection est tombée dessus, oui. Vous pouvez consulter les journaux si vous voulez. Tenez, je vais vous déverrouiller le terminal. J'ai besoin de quelque chose pour affronter les cataxies dans l'autre univers. Les cataxies dans l'autre univers. Waouh. J'ai bien un bidule expérimental qu'un des ingénieurs a assemblé, mais... Donnez-moi ce... que je veux ou... non. Il n'y a pas de raison qu'on ait la moindre problème. Je sais bien. C'est ce que je veux entendre. J'essaie de rester raisonnable. Je ne partirai que lorsque vous... non. Je sais que vous voudrez m'aider si vous pouviez. Merci de vous mettre à ma place. C'est ce que je veux entendre. On peut peut-être trouver un terrain d'entente. Bon, tenez. On ne l'a jamais testé sur le terrain, mais c'est tout à vous. Ok, un fusil à pompe rare. Bon. Ah non, il y avait une suite. Que pouvez-vous me dire sur le niveau des recherches? Il est plus grand que vous ne l'imaginez. On a un accélérateur de particules et tout un complexe. Le labo de recherche sur les hautes énergies. Le tout à la pointe de la technologie.
Je pourrais pas vous expliquer un dixième de ses capacités. La directrice a dit que le niveau de recherche était sous-scellé. C'est exact, depuis l'accident. On n'arrive pas à se connecter au système de contrôle pour contourner la sécurité. Ce système de sécurité est ultra sensible. Les caméras peuvent repérer n'importe quel individu qui n'est pas dans la base de données et déclencher une alarme. Après, c'est l'enfer. D'accord. Et c'est le monsieur sécurité qui dit ça. Merde. Ah, c'est pour m'obliger à passer là où... Ah non, il y a les petites... Je les ai scannées. Bon. Ça, ça me dit. Soin, empoisonnement. Bonjour. Bonjour. Quoi ? Vous arrivez à vous perdre dans le couloir ? Oui. Ah. Voilà l'unité de contrôle de la sonde. La plupart de ses commandes ne répondent pas. Je vais ajuster les paramètres disponibles très délicatement. On n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer. Faites attention et préparez-vous à tout. Ok. Je vais commencer en ajustant le flux énergétique du rayon d'électron. On est à 93 téravolts. Calibration à 95. 97. Let's go. 100. Non ? Rien. Essayez dans l'autre sens. 91, 89. Qu'est-ce que... Ok, ok. Ça a l'air sans danger, mais... Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Je connais. C'est une micro-distorsion. La disposition des flux correspond à la distorsion de la peau. Ce paramètre ne fait que l'exposer. Avancez dans la distorsion, s'il vous plaît. J'ai déjà fait. Bien. Ah, je peux pas transporter les objets par contre. Ouais, les objets de quête, je sais pas trop le reste, je transporte. Bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? Ça a marché. Bon, un flux bas permet aux distorsions de se manifester, et un flux haut vous fait traverser. Ça semble prometteur. Restez sur un flux bas jusqu'à ce que vous vouliez traverser.
Vous devriez pouvoir éviter d'autres incidents. Je vous donnerai bien mon unité de contrôle, mais apparemment vous en avez déjà récupéré une dans l'autre univers. J'adorerais y jeter un œil quand tout ça sera terminé. Bien, c'est le moment d'éteindre tout ça. Tout à fait. Si vous parvenez à descendre, vous devrez aller jusqu'au labo de recherche sur les énergies supérieures. Désenclenchez les verrous de sécurité et tirez les commandes d'arrêt d'urgence pour éteindre la sonde. Ça devrait enfin arrêter tout ça. Oh, avant que vous ne partiez, la directrice voudrait vous parler. Essayez de ne pas vous perdre à nouveau dans le couloir. Oh, bah si. Bah, tant que j'ai pas de TP pour rien... Donc c'est ces deux-là. Rien n'est du vol ici, original. Ok. Bonjour. Donc les directrices vont me parler. Tout est prêt? J'ai demandé au docteur Barakova de s'occuper de vous s'il vous faut du matériel. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que nous vous faisons traverser. Avant que vous partiez, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Si cette expérience est la cause de vos traversées, la stopper devrait permettre de les arrêter. Et que se passe-t-il après? Pour vous et pour nous? C'est une boîte de Schrödinger, deux états potentiels en même temps. Exactement. Et lorsque vous arrêterez l'expérience, la fonction de probabilité s'effondrera. Vous êtes l'œil externe au système. La réalité dans laquelle vous vous trouverez à ce moment-là sera celle qui subsistera. En tout cas pour vous et votre univers. La question est... lequel choisirez-vous? Je ne sais pas. Si le choix était entre ma vie et celle de Raphaël, je vous demanderais de le sauver, lui. Mais, en tant que directrice de la station, je suis responsable de mon personnel. 30 personnes. Des personnes avec des familles, des carrières, des futurs qui les attendent, dans cet univers. Vous n'avez pas à décider maintenant. Mais lorsque le temps viendra, gardez ça à l'esprit. Bien, vous vouliez y aller, je crois. Le réseau étant coupé, nous ne pouvons pas désactiver le système de sécurité du niveau des recherches. Donc, attendez-vous à un comité d'accueil. Ethan ? Déverrouillez l'ascenseur de l'entrée, je vous prie. Madame, le niveau des recherches est toujours sous-scellé. J'en suis consciente. Très bien. C'est fait. Bonne chance. Ça a été une journée fascinante. Ok, de toute façon le choix est vite fait. Hein. Ah merde, non, c'est pas ça, c'était l'autre point que je devais aller. Salut. Y a un mec qui se téléporte dans votre propre labo de recherche. Ils devraient tous autour dire mais qu'est-ce qui se passe, comment il fait? Tatiana Barakova, médecin du centre. C'est pas un hôpital public, mais la directrice m'a néanmoins ordonné de vous aider. Je peux me séparer de quelques kits de soins. Au-delà de ça, je ne suis ni votre thérapeute, ni votre psychologue, et encore moins votre esthéticienne. Pour toute autre chose, demandez-moi. Je pense que vous devriez voir ça. Mon journal ? Vous avez été dans mes quartiers ? Pour qui vous prenez-vous ? La directrice vous a peut-être donné carte blanche dans la station, mais je... Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est ? Cette entrée ? C'est la mienne, mais je... J'ai jamais écrit ça. Et ces brûlures. Mon Dieu. Je me suis dit que vous voudriez voir.
Oui. Merci. Je peux vous donner plus d'équipement. Et vous faire une réduction sur les autres fournitures dont vous pourriez avoir besoin. J'ai besoin d'aide, docteur. Vous avez même pas besoin d'un pansement pour ça. Bien. Matériel. Je crois qu'il me reste quelques bricoles en rab. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter chez toi ? Ouais, j'en ai 47. Un truc que je n'ai pas, c'est ça. Je vais en prendre une. Peut-être que j'ai pas beaucoup, voilà. J'ai assez de thunes, je pense. Excusez-moi. Excusez-vous. Bienvenue à Nishina. Pas rentrer dans l'ascenseur.